Après la publication de la liste par Kaba Diawora, notre rédaction s'est donné le devoir de faire le récapitulatif de la saison 2022-2023 des joueurs choisis par le sélectionneur du sidi National pour les deux matchs. Pour cela, on s'est appuyé en grande partie sur les informations fournies par le site internet FlashScore. Commençons par les trois gardiens de but. Aliquet avec Ostersund FK, c'est 10 matchs joués cette saison dont un en Coupe de la Suède. Ibrahim Akone avec Hubernian totalise 14 matchs en première ligue maltaise et 4 matchs en coupe nationale. Lassana Jarabi, âgé de 19 ans, ses deux bouts de matchs joués en National 3 avec Valenciennes FC où il est troisième gardien de but. Il a été préféré par Kaba Djaura en lieu et place de Moussa Kamara du Orea AC. En défense, Issa qui a changé de club dans l'intersaison contre 32 matchs joués en championnat, soit 15 avec Montpellier son nouveau club, une passe décisive et un but, 19 rencontres disputées en Ligue 1 avec Toulouse, où il a commencé la saison, dont deux en Coupe de France. Ibrahim envoyé en prêt à Eupen en Pro League belge par Stade Reims contre 13 matchs cette saison, soit 10 avec Eupen et 3 avec Stade Reims. Mokhtar Djarabi avec Valence totalise 28 matchs en Liga, un en Coupe du Roi pour trois buts marqués. Ibrahim Souri compte du York FC ses 20 matchs disputés pour un but en Ligue 2 française. Sedoussou avec Saint-Etienne en Ligue 2 française ses 25 matchs joués et un carton jaune. Mohamed Ali, camarade de Young Boys, comptabilise 12 matchs en Super League, 1 en Coupe de la Suisse et 5 en Ligue Europa Conference. Antoine compte avec Apple Tel Aviv en Israël ses 16 matchs disputés en Super League. Dembo Sila, Stade Lavallois en Ligue 2 française compte 29 matchs joués, une passe décisive et 4 cartons jaunes. Sur la ligne du milieu, Amadou Jawara à Anderlecht, ses 35 matchs, soit 22 en Pro League, 2 en Coupe de la Belgique et 11 en Ligue Europa Conférence pour un seul but inscrit. Cette base ici avec Leganés CD en Espagne, ses 33 matchs disputés en Liga 2 et 4 buts, une sortie en Coupe du Roi. Morikonate de saint tron en Belgique Totalise 24 matchs en Pro League, 1 en Coupe de la Belgique, 6 cartons jaunes et 2 cartons rouges. Nabi Kate avec Liverpool, ses 8 matchs joués en Première Ligue et 3 en FA Cup. Le capitaine du Sili National a été remercié par la direction du club. Son contrat, qui prendra fin officiellement le 30 juin 2023, ne sera pas renouvelé. Moriba Kourma avec Valence en Espagne, compte 24 matchs en Liga, 1 en Super Coupe, 4 cartons jaunes et deux cartons rouges. Morlaï Silla sur Arouca FC au Portugal compte 33 matchs en Liga et 3 matchs en Coupe de la Ligue. Sur la ligne d'attaque, François Camano avec Locomotive Moscou en Russie, ses 28 matchs et 3 buts en championnat, 9 matchs et 3 buts en Coupe de la Russie, soit un total de 37 matchs joués pour 6 buts marqués. Morgan Gilavogui, Paris FC Ligue 2 française, ses 32 matchs et 16 buts en championnat. 3 matchs en Coupe de France et 3 buts inscrits, soit un total de 19 buts marqués en 35 sorties. Jadali Jabi avec Austria Lustenau en Autriche reste sur 21 matchs joués pour 3 buts et 2 passes décisives en Bundesliga autrichienne. Seru Girassi avec Stuttgart en Allemagne où il a été envoyé en prêt par Stade Rennais fait un bilan de 22 matchs pour 11 buts en Bundesliga allemande, 4 matchs, 2 buts et une passe décisive en Coupe d'Allemagne. Soit un total de 26 rencontres jouées pour 13 buts marqués. Aux dernières nouvelles, l'option d'achat de Seru Girassi a été levée par Stuttgart qui l'a fait signer définitivement jusqu'en 2026. José Martinez-Canté au Japon avec Urawa Red Jamon compte six matchs joués, 1 but et un carton rouge en championnat, 3 matchs et 1 but en Coupe du Japon. Soit un total de 9 matchs pour 2 buts.